Mesdemoiselles et messieurs, chers membres du staff de la direction, chers parrains, chers marraines, chers parents, chers invités, chers confrères et consoeurs de la promotion élite, chers élèves, chers membres du petit personnel, je vous dis bonjour. J'ai l'honneur de prendre la parole en tant que président de la promotion sortante du Collège mixte de la référence de Gantier 2022-2023, baptisé Les Élites. Aujourd'hui est pour nous une journée de victoire, car depuis le 28 janvier dernier, vu à la situation conjoncturelle du pays, nous devrions célébrer la fête traditionnelle des philosophes. Malheureusement, nous ne pouvons pas. Ainsi, dans ma prise de parole, je choisis de parler de l'importance de la philosophie. Raison, être philosophe, c'est avoir la capacité de s'adapter à toute éventualité. C'est en ce sens que ce 17 mars, nous venons de célébrer la fête des philosophes qu'on devrait en célébrer depuis le 28 janvier dernier. C'est ainsi que de nos jours, la philosophie est devenue un phénomène de masse. Elle est partout. Dans les magazines, sur Internet, dans les forums, à la télévision, dans les cafés. Le philosophe lui-même n'échappe pas à la starisation médiatique. D'ailleurs, il est invité à s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas de sa compétence directe. L'économie, la psychologie, le climat, etc. Mais pour certains, la philosophie est déconnectée de la vie. Elle n'est rien de plus qu'une analyse du langage, une spéculation vide sur l'inconnaissable, un jeu intellectuel stérile. De ce fait, la plupart des gens pensent que la philosophie est une perte de temps. La philosophie de l'Antiquité, la philosophie était d'une importance cruciale. Une question de vie ou de mort. En grec, philosophie signifie amour de la sagesse. La philosophie est donc née comme une étude de la nature fondamentalement de l'existence, de la nature de l'homme et de sa relation à l'existence. Sans une explication ou une interprétation du monde qui nous entoure, nous serions impuissants à agir sur la réalité. Nous ne pourrions pas agir librement pour persévérer nos vies ou les améliorer. Nous devons savoir ce que nous pensons sur les questions philosophiques parce que nos réponses peuvent influer sur le cours de nos vies. Plus notre vision du monde est correcte, plus nous sommes en mesure de comprendre le monde et d'agir en conséquence. Sur cette base solide, toute action devient suspecte. Dès l'origine, la philosophie n'a jamais eu deux visions sociales. Premièrement, apprendre à mieux connaître sa vie sur cette terre. Connaître la vérité. Les idées philosophiques sont importantes parce que la vie est importante et que la vie oblige à faire des choix. Ainsi, nous n'avons pas choisi de laisser l'établissement. Pourtant, il nous est arrivé un moment bien déterminé où nous aurons à partir. Pour ce faire, nous allons procéder à la passation de flambeau. Nous allons appeler certaines têtes de la histoire avec qui nous allons passer le flambeau.